Mais reformuler le sujet, c'est une manière de dégager ce qu'on appelle la fameuse problématique, ou c'est une manière de substituer à la question posée une autre question ? Auquel cas, on risque le hors-sujet. Alors, reformuler le sujet si c'est nécessaire. Il faut poser la question sous une formulation qui permette qu'elle ait un sens. Mais alors, du coup, on se demande pourquoi est-ce que la formulation n'a pas un sens en premier lieu ? Eh bien, parce qu'elle est livrée comme ça aux élèves, et il s'agit de... Il ne faut pas trop demander pourquoi. Voilà, si, tout à fait. Il y a la possibilité... pour les élèves, de remettre en question la façon dont le sujet est formulé. Mais s'il a été formulé ainsi, c'est pour une raison précise. Eh bien, c'est peut-être en se disant, tiens, les élèves vont pouvoir déjouer ce piège. On leur demande d'être de bons lecteurs, en fait. D'accord. Hein, c'est la fin de leurs études, il faut qu'ils sachent lire. Donc, on peut prendre le risque, même c'est même encouragé, de proposer une autre formulation du sujet pour en arriver à cette problématisation. Alors... la problématique, c'est pas tout à fait, si je parle un peu technique de la dissertation, c'est pas la question qui va remplacer la question sous une autre forme. Précisément. Là, j'ai remplacé ou on a déplacé la question pour qu'elle ait un sens. La problématique, c'est un processus qui occupe l'introduction et qui va permettre de transformer une question en problème. C'est-à-dire de faire en sorte que une question à laquelle on pourrait répondre comme ça, par oui ou par non, on se rend compte que ce n'est pas si simple et qu'on va donc être obligé de faire un développement. Alors, il y a plein de façons de montrer qu'une question n'est pas si simple. On peut se dire les termes sont confus, ils ont plusieurs sens. On peut se montrer aussi qu'il y a deux réponses qui peuvent paraître contradictoires, opposées, mais qui ont chacune leurs avantages. On peut également montrer que la question est floue non seulement à cause du sens des termes, mais parce qu'elle porte sur plusieurs domaines possibles, la politique, l'art ou la science. Voilà, donc il y a plein de façons, me semble-t-il, de problématiser.